Putain, mais fuck ma vie! Que vous vengez! Yo à tous, c'est Mister H-Croat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Alors, je pense que je vous prends un petit peu par surprise. En fait, c'est tout à fait normal. J'ai décidé ça il y a pas mal de temps. Je me suis dit après les concours, parce qu'en fait, je viens de finir mes concours. Et je suis très content. Enfin, si vous voulez savoir, ça s'est à peu près bien passé, relativement par rapport aux autres, on verra. Ben, je vous dirai le résultat de toute façon. Et puis, je me suis dit, il faut que j'organise un truc énorme, quoi. Et puis voilà, enfin, j'ai eu cette idée, en fait. Je vais faire, bon, c'est un randomizer sur Pokémon Platine, donc c'est sur ma chaîne, hein, en exclusivité sur ma chaîne YouTube. Et randomizer, alors pour ceux qui ont... Je vais expliquer les règles du randomizer au fur et à mesure, bien entendu. Enfin, j'ai changé un petit truc par rapport à celui que j'ai fait sur Full Solid Fail. Et la particularité, c'est que je vais essayer de tout mettre en une seule vidéo. C'est-à-dire que vous aurez en gros une vidéo d'à peu près, je pense, 10 heures. J'essaie de faire jouer le plus vite possible en randomizer. Alors, j'ai commencé une partie tout simplement parce que... Merde, excusez-moi, j'ai pas mis mon casque. Je vais chercher tout de suite. Je reviens. Non, je suis content. Voilà, attendez. Voici, mais donc après cette petite intro musicale, c'est parti. Donc je sais, évidemment, je sais qu'est-ce qu'il y a comme... non, t'arrasse toi. Je sais qu'est-ce qu'il y a comme... Pourquoi elle marche pas ma manette? Non, je ferai ce Nuzlocke PD, je ferai... Non, t'arrasse toi. Donc mon rival qui s'appelle Trulandagger, bon ça c'est un classique. Bon, l'épisode commence... Enfin, la vidéo commence très bien. Config d'émulation... Non, c'est pas ça. Config des contrôles... Start, bah c'est ça, start. Bah oui, bah qu'est-ce que tu me fais, PD? Mais pourquoi il marche... Ah oui, c'est vrai, j'ai pas le menu, je suis con. Et surtout que le menu, c'est pas ce bouton, en fait, c'est ce bouton. Ouais, bref. excusez-moi, donc je sais évidemment... bon, désolé. Vous aurez une petite intro musicale. Je sais qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon, vu que je voulais tester le randomizer, et puis sur une version DS. Et puis ça marche, hein. Il me semble que c'est juste des Pokémon statiques, des Pokémon fixes, je peux pas les changer, donc ça, c'est une particularité. Donc, il y a Pokémon Azurite, vous avez remarqué que les Deoxys sont en anglais, alors que le jeu est en français. Gravalanche, ouais. Alors, regarde, je vous jure, la première fois que j'ai vu les deux Pokémon, enfin, j'ai testé vite fait pour voir, je me suis dit, putain, c'est de la merde. Et là, j'ai vu ça. Pokémon Foudre, Raikou. Bitch, please. En fait, oui, j'insiste sur le fait que je vais beaucoup utiliser Turbo, parce que j'essaie de faire la vidéo le plus vite possible. Donc là, vous connaissez, j'ai commencé là pour pas perdre de temps, hein, franchement. Enfin, même si j'en ai techniquement perdu avec ma chanson. Excuse-moi. Mais voilà. Alors, HC, maintenant on a chacun un Pokémon. Ouais. Donc là, c'est censé être un combat, entre guillemets, important, donc je laisse en normal. Ouais, Azuré, j'ai un Raikou PD. Yahoo! Ah non, mais Raikou, je pense que je suis très bien parti. Je pense que je suis très bien porté, mon chat croqueur. J'ai Zectac aussi, mais je vais pas utiliser Zectac. Oula. Bon, ça passe. Mais non! I'm a fire in my laser! Non, je jure, j'ai besoin de me défouer. Bon, écoute, tu baisses. Il y a un boom final! Oh putain, j'avais pas cramé la première fois. Y'a boum final, ce con! Donc tu as vraiment perdu, oui. Y'a boum final, ce con, putain! Va falloir que je me méfie des azuris maintenant. Oui, bon, ta gueule, maman! Voilà, merci. Ouais, des chaussures! Youpi, je pourrais aller encore plus vite en turbo maintenant. Ouais. Non, ta gueule! Voilà, alors. Ah oui, c'est vrai, c'est ce bouton pour le menu. Que je m'habitue parce que j'ai une manette. Donc j'ai un méga Raikou avec une capacité pied confus et qui est relax. Ah, il y a quand même une très bonne défense sur Raikou, mais ça m... Donc oui, j'explique.
le type n'a pas été randomisé. Parce qu'en fait, avec, je vais avec une chaise sur Ushok, c'est quasiment impossible de faire un Nuzlocke normal avec, avec des types randomisés. Par contre, les moufouilles ont changé, les stats. La base stat est toujours la même pour les Pokémon, mais la répartition a changé. Bah, vous voyez Raikou qui a une putain de défense, ce qui n'est pas censé être normal. Et mon Raikou est relax, donc la vitesse diminue. Je pense qu'il doit avoir une bonne vitesse en plus à la base. Bon, c'est un peu con. On a quand même un très bon Pokémon, hein, qui tankera bien la défense. Enfin, c'est tout bénef. Sinon, bah, voilà, le Mouf'Pou aussi a changé. De préférence par rapport au stab, et puis j'ai tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je vais refaire en mesure. Ouais, bah moi, je vais bouger. Alors, maintenant que je peux courir... Non, franchement, je vais pas faire de coupure. En fait, mon objectif, c'est de pas de jamais faire de coupure. Sauf quand je dors, bien entendu, ce qui me paraît normal. Mais vraiment, enfin, de pas faire d'XP en off, de tout faire normalement. Normalement, je devrais pas avoir besoin de faire d'XP en off avant très très longtemps. Donc ça, c'est good. Bah bah bah, donc là, il y a Yu Maloud, là. Hors de mon chemin. D'accord. Ah oui, donc je précise que je considère que Nuzlocke, enfin la règle d'attraper un Pokémon ne prend, ne rentre en règle que quand... quand bien entendu j'ai des Pokéballs sinon. Non, parce que je vous jure que ne pas avoir de Pokéball, enfin rater un Pokémon en début de partie, c'est vraiment vachement handicapant. Pour l'expérience que j'ai, voilà quoi. Donc bon, de toute façon lui j'ai skippé par miracle. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon? Oh, Arbok! Ah ça, ce serait sympa un Arbok. Arbok, ce serait sympatoche. Sachant... Oh, notre coucou, il y a des bons Pokémon, hein. Le problème avec notre coucou, c'est qu'il apprendra pas d'attaque, donc faut se méfier. Sachant que, là, vous aurez compris, contre les Pokémon seuls, je tombe sur un Pokémon seul avec mon Raikou en combat de ressort, je peux rien lui faire, j'ai perdu Nuzlocke, quoi. Donc, faudra vite que j'attrape un Pokémon. Non, franchement, je pense que vous connaissez, là, il va nous donner Pokédex. Spoiler, XDMDR. Bon, franchement, j'avance. Oui. Oh, merde, j'ai pas donné de surnom. Oh, fais chier. Putain, j'ai appuyé sur B, je suis fait... Eh, merde. Bon, bah, c'était censé être une dédicace à Taker. Mais je crois qu'il y a Joyberge en plus, ce mec, pour... Oh, putain, cette chance. Bon, bah, Taker, tu es un Raikou. Désolé, mais... Oui, je vais y ajouter et donner... Oui, bien... bah bah bah... Oh putain, mais j'ai beau, j'ai pas pu renommer mon Raikou. Bon bah, Raikou et Taker. Alors, Taker, parce que, c'est un poteau cacahuète, aïe aïe aïe. Bah, je lui devais un starter. Lui aussi qui avait fait un SP sur Beauty, donc voilà. Non, franchement, elle me casse les couilles, aura, par contre. Merci. Donc du coup on a des Pokéballs, je crois. Je crois que c'est cool. Ah non, même pas. Oh puis, ah oui c'est vrai, faut les voir. Oh fait chier. Alors je sais plus s'il nous donne un truc. Ah oui, il va me donner une CT. Ah oui, les CT ont été randomisés. C'est capsule technique, retour. Non mais il n'y a pas retour en fait dedans. Il y a autre chose. Enfin il me semble hein, parce que j'ai configuré randomizer. Ta gueule, voilà. Ah non! Putain, non! Meurs! Meurs, putain! Bon, la musique est assez entraînante, mais enfin bon, boutique Pokémon, on précise qu'il est presque nuit, hein. Enfin, ici, il fait pas nuit, mais... Parce que le jeu, il est con, hein, il ne régère pas des cages horaires. Alors, est-ce que... J'espère que c'était un terrain randomisé. Parce que ça va pas te marrant. Oh, voilà, punition! Plus l'ennemi a utilisé des augmentations de stats, et plus ta capacité sera puissante. Ok, Raikou ne peut pas la prendre, donc c'est génial. Donc là, c'était randomisé, ça va être un gros délire. Sinon, bah écoutez. Dommage que tu n'aies pas de canne à pêche, parce que sinon j'aurais attrapé un Pokémon. Bah tiens, un objet. Par contre, tes objets ne sont pas randomisés, hein, faut pas déconner. Donc là, je récupère mon antidote, c'est toujours pratique. Ça fait toujours plaisir, et aïe. Chez Aurore, vas-y, on va faire notre stalker chez elle. Qui es-tu? Oh, tu as Shim, bah bah bah. Ta gueule. Alors, on va vraiment essayer de remplir le jeu, enfin, de toutes les zones. On va essayer de faire toutes les zones, mais bon, je vais quand même skipper, hein, faire des trucs assez vite. Vous voyez que j'essaie de faire des trucs assez vite, là. Alors, est-ce que t'as besoin d'un truc? Non, t'as raf.
Ok, d'accord, ta gueule. Non mais on a un méga Raikou là, je suis trop content. Même si bon, il y a une nature un peu pourrie, il y a la répartition des stats qui est pas forcément exceptionnelle, mais bon, franchement, je suis satisfait. Le Kaoror qui va nous apprendre à attraper un Pokémon, le XDMDR, avec gros ton cul, blablabla, j'ai... Ah oui, d'accord. Putain, mais crois que je suis porté disparu ou quoi, je sais pas. Bon bah du coup, bah, je suis obligé de retourner là-bas, on perd du temps, mais c'est pas grave, écoute, cacahuète. Bon, je vais dire à ma maman que je pars en aventure. Bah putain, bah si je pouvais faire ça en IRL, ce serait vachement bien, mais bon. Bon, ok, toi je te parle. Bah, tu t'en vas? Mais c'est pas grave, vas-y, fonce! Ok, j'ai un journal, youpi! Yo XDMD, un truc dont tu te sers quasiment jamais. Sauf quand t'as pas joué depuis un an. Mais vu que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, enfin, vu que j'aurai pas de temps après, je vais tout tourner d'un coup, donc voilà. Et au fait, bon, y'a pas de... Vraiment, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire du montage, hein. Je vais pas faire un montage de 10 heures. Donc y'a pas de layout, de tout ça, y'a pas de badge et tout. Y'aura qu'écran supérieur, et puis voilà, c'est très bien comme ça, quand même. Enfin, je verrai... Non, y'aura qu'écran supérieur, en fait. Attendez, je vais voir un truc, parce que... Alors, ouais... Bah, au pire, bah, je pense que vous avez des oreilles, donc vous pouvez écouter ce que je dis, non, non, c'est vrai. Au niveau d'écran supérieur inférieur, alors, on va repasser par là du coup. J'espère qu'on va quand même pas me tomber sur des noix de coco. Oh non, pas cette merde. Oui, parce que j'ai pas dit, mais je compte appliquer la règle que j'applique en aventure, enfin, comme je joue normalement. À savoir, tout simplement, eh bien, quand je jouais sur Rouge Feu, c'est-à-dire, en gros, ne pas faire évoluer un Pokémon. Laisser son stade d'évolution tout simplement parce que les Pokémon adverses, les Pokémon des champions aussi, tout ça, vont être randomisés. Donc ce serait bien que... oui. Non, il est pas prêt. Ah oui, il y avait pas d'attaque en fait. Eh, hey, mais elle a cheaté. C'est quoi ce cheat? Espèce de cheateuse. Bah, c'était marrant, le permuteur. C'est très marrant. Ok, d'accord, faut que j'aille à plus, tout ça. Ok, donc on a des Pokéballs, alors je vais en acheter quand même. Je vais en acheter parce que j'aimerais quand même éviter de rater des captures. Hop, alors on va en prendre. Bon, faut aussi, vous voudrez éviter aussi de tomber sur des Pokémon qu'on ne peut pas attraper. Pour 3 potions, on va prendre un antidote. Je vais prendre un autre, allez. Prendre un petit para. C'est toujours utile, et reste, je vais prendre des Pokéball Rust. Ouais, je croyais que j'en ai. On a 3500 de Pokédollars quand même, donc c'est pas si mal. Hop, donc on a 16 Pokéball. Bon bah c'est parti, donc il y a 3 routes à se faire en fait. La route bah, du Accourage. Il y a la route à côté, là, celle-là qu'on va faire tout de suite. Alors on espère avoir un bon Pokémon. Alors j'ai envie de Turbo. Là, je te parle. Attention! Girafaring, pas mal, c'est pas mauvais. Girafaring, c'est pas mauvais du tout, sachant qu'il y a un double type, et puis je pense que la base stat avec la répartition qui change peut nous réserver pas mal de surprises. Oh putain, j'ai de la chance. Ok, par contre, si t'as gotage, on va pas aller très loin, Coco, hein, parce que voilà. Par contre, ce qui est chiant, c'est que je peux pas me barrer, mais bon, franchement, ça devrait aller. Allez, reste dedans. Reste dedans. Oh putain, non. Là, par contre, je vais accélérer. Oh putain, Babrum ce con. Régénération, ça c'est pas mal. Putain, allez. Oh putain, coup critique. Putain, ta race. Ouais, pour le moment, je reste. Putain, vas-y, hein. Ouais, bon, là, j'ai tué. Pas le choix. Putain, je suis deg. Bon, on a raté Girafaring. C'est cool. C'est swag, c'est tout ce que vous voulez. On va essayer de tenter les autres routes quand même. Hop là. Bon, franchement, je préfère perdre Girafaring que Raikou, hein, et puis perdre nos hommes, franchement. Donc, ouais, c'est ça qui est chiant, c'est qu'ils vont être chauds à attraper, les Pokés. Hein, ils vont être chauds. Si on tombe sur des bons Pokés, ils vont être vraiment chauds à attraper. Donc voilà, donc là, c'est trop bon. Et foiré, arriver avec vérité. Nous y voilà. Et avec vérité, c'est parti. Alors, voyons voir. Ah putain! Ouais, mais le problème c'est que je tue, je pense. Kyogre!
Oh, il est pas mort. Oh putain, j'ai pas. Ah, ça c'est bon ça. Je veux ce Kyogre. Je veux ce putain de Kyogre. Je le veux. Reste dedans. Putain, ça y était presque. Je te veux, PD. Reste dedans. Quoi, il bondit. Je chope quand même. Oh merde, fais chier. Ouais, je vais attaquer, croqueur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a fait ça? Putain, il était en vol. Je pouvais pas lui lancer de Pokéball. J'ai raté Kyogre, oh putain, fuck ma vie. C'est dégueulasse. Putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok, par contre, Cacnea, ça c'est bon. Putain, j'ai fait chier, j'avais presque Kyogre en plus. Oh putain, j'ai les boules. Oh, t'as rage, toi. Franchement, en fait, le truc, c'est que si on tombe sur un Pokémon seul, on a perdu, en fait. Donc j'aimerais bien pouvoir choper un Pokémon. Donc cette route, c'est parti. Ouais, bah voilà. Bah voilà. Bon bah écoutez, on va l'attraper. Parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, j'aurais préféré Kyogre, mais enfin bon. Ok, toi si t'étais tué, j'aurais pété un 4. Ok, Calibri, mais au moins t'as une attaque correcte. T'as une attaque potable au moins. Bon! On va dire qu'on va faire avec. Toi, je vais t'appeler. Je vais t'appeler. Aeyon. Dédicace donc à Aeyon qui avait tué Ponyta. Tu es un Krixik. Qui n'évoluera jamais. Parce que j'en ai décidé ainsi. Ah non, mais putain, mais j'ai. Mais genre, je pouvais pas choper Kyogre en plein vol. Putain, et après j'arrivais à buter. Oh putain, son éveil est plus. Rigide. Ok, d'accord, ok, c'est que ça rien. Force nature, d'accord, ok. Ouais, il est pas. Non, il a chier en fait, mais vu qu'on a que ça. Et que c'est notre seule assurance contre les Pokémon d'Idipsa, on va être contraint de garder en fait. Oh, mais putain, mais Kyogre. Oh putain, je suis deg. Bon, ok, il avait pas crachin. Mais merde, quoi. Putain, Kyogre. Putain, j'espère que je vais recroiser hein, ou un autre truc du genre, parce que c'est épique, hein. En plus, t'es parfait avec Raikou, quoi. Genre, la team de Uber overpété. Bon, là, du coup, je vais mettre Aeyon devant. Hop là. On va faire XP quand même. Je vais éviter de faire d'XP, donc du coup, enfin, on va faire avec Edressa, en fait. Ok, Yopio, je pense que c'est faisable. D'accord, merci, connard. Merci, c'est très gentil. J'ai pu attraper un Pokémon et toi, tu me tues avec un Hydro-queue. D'accord. T'es comme ça, toi. D'accord, merci. Ok, drôle que toi, tu vas pas me faire chier très longtemps. Putain, mais t'as force con, hein. Avec tac, je te finis. Oh, ma femme et ma daïsa. Je pense que je vais faire ça à chaque fois. Putain, mais tellement classe, l'animation d'avec tac. Alors, on espère que t'es pas boom final ou connerie du genre. Voilà, Raikou niveau 7, toujours ça de gagner. On a vraiment... on a une putain de défense, hein. On est 24 de défense, Je crois que ça stade en attaque spéciale du passé en défense. Hein, c'est... Ok, avec des mieux aussi. Non, mais elles sont un peu pétées ces herbes. Hein. Les trois quarts d'herbe qu'on a vu sont. Bon, ça c'est dingue par contre, mais. Putain, mais je suis deck pour Kyogre. Bon, bah j'ai perdu Aeyon, c'est cool. Voilà. Bon, bah si je tombe sur un Pokémon seul, je suis foutu en fait. Donc on va prier pour pas ne tomber sur Pokémon seul. Ah oui, en fait, si je perds une Zuck, je vais recommencer, mais en off. Hein, c'est-à-dire que. Enfin, je reprendrai en fait là où je me suis arrêté, mais avec des nouveaux Pokémon. Hein. Et je relancerai le randomizer, donc du coup, il n'y aura plus de Raikou si je perds. Donc j'espère que je ne vais pas perdre. Donc c'est cool, premier mort en à peine 18 minutes de vidéo. Sachant que je suis en turbo, c'est génial. Par contre, voilà. Alors toi, la boîte, je te renomme Chasse. Non. Ah, mais je vais changer, vas-y, je vais changer, je vais taper. Pas. Non, vas-y, je suis assez, c'est toujours... Ah non, mais putain, mais trois, putain, merde, excusez-moi, j'ai un appel. Je reviens tout de suite. Donc, nous revoilà, désolé pour la coupure. Donc, je reprends. Je vais mettre en majuscule parce que...
C'est des chassés. Moi, franchement, depuis que j'ai hier avec Marseille, avec Taker, j'ai plus de nom pour les boîtes. Hein. Pour les rivaux, j'ai plus d'autant que Tourna Galère, Mortex, Corsag et Chaghetto et tout ce que vous voulez. Il va falloir que je fasse une dédicace à Marseille aussi. Je sais pas si on tombe sur un tas de morts, pardon. Non, c'était méchant. Bon alors, est-ce que j'ai soigné Raikou, moi? Oui, ça va. Je vais sauvegarder quand même. Vous voyez, je vais sauvegarder, oui. Je sauvegarde beaucoup de données parce qu'on a attrapé beaucoup de Pokémon. Hein, on a vraiment attrapé beaucoup de Pokémon. On en a attrapé un. On a perdu. On nous en a donné un aussi. Donc voilà. Bon bah c'est génial. Allez. Allez. Ah oui, au fait, j'ai oublié de dire aussi, je ne considère pas les Pokémon qu'on nous donne comme attrapés. Par exemple, si on me donne un Pokémon sur cette route, bah je pourrais toujours en attraper un. Alors. Voilà, parce que moi je suis intelligent, moi je joue sur Uno. Non, franchement, avec tout ce que je vais me faire, j'ai pas besoin de faire d'XP en plus. Hein. Ok, une salope. Alors, s'il y a un Pokémon seul, je suis mort. Voilà. GG, Hsim, t'as perdu. GG. Voilà. Pourquoi je ferme pas ma bouche? Bien joué! Génial! Bon, bah, c'est génial. J'ai déjà perdu parce que je pouvais rien faire. Voilà. Bon bah, Nuzlocke est fini déjà, ça commence très bien. Ta gueule, merci. Bon bah, du coup, je vais rien déposer évidemment, j'ai cassé le Pokémon. ouais, bon bah, du coup, je vais faire une coupure et puis on va se retrouver contre la dresseuse à la con. Bah, avec écouter du nouveau Pokémon. A tout de suite. Donc, nous revoilà pour la suite de cette très longue vidéo. Alors, j'ai repris des Pokémon, j'ai relancé la ronde de mes heures. Et donc, vous aurez remarqué, évidemment, que j'ai encore failli de foutre Taker 2. Donc, du coup, c'est pas Taker 2, c'est Aquali pour le moment. Alors, je pense que j'ai récupéré Aquali le plus pourri que j'ai jamais vu. Alors, regardez, il est modeste. Il y a genre une nature plus attaque spéciale. Il n'y a pas d'attaque spéciale à la base. Donc, du coup, mon attaque est foutue aussi parce qu'il y a une bonne attaque en plus à la base. Et j'ai que des attaques spéciales, bon, très puissantes, mais c'est un peu chiant. Donc vivement qu'il y a pris une drogue queue, parce que sinon je vais dans la merde. Et j'ai statique, bon ça c'est not bad. Donc j'ai mes dus, j'espère que j'ai récupéré une orbe toxique, parce que soit poison c'est bien. Enfin, faudrait déjà qu'il survive. Et voilà, donc tout simplement, brouhaha pour le moment. Ok, ça veut dire que je pourrais jamais switch hein, si j'utilise, donc faut faire gaffe. Et j'ai un putain de Mistero qui était vraiment PGM. J'ai pris un crocodile parce que voilà. Et à boire, entrave et triple attaque, sachant que j'ai eu l'occasion aussi d'attraper un Pichu, mais qui malheureusement j'ai tué en un coup de vibre à quoi. Donc, voyou. Pour la peine. Je vais. Bah, on va mettre mes glues devant, écoutez. Attendez, premier dresseur à faire, bon, on va se faire ensemble le dresseur. Là je vais me barrer, je pense, si je peux, ouais, parce que côté vrai, je sens pas. Voilà, hop. Bon, sachant que si on tombe sur un Pokémon plante électrique, on est un peu dans le caca en fait. Hein. Bon, Absoluto. Non, je vais pas tenter parce que Brouhaha, je peux pas arrêter, il me semble. J'ai envie de Mistero, écoutez. Hop, Hydrocanon. Si tu veux, moi j'ai à boire, je t'en cul. Ah ouais, t'es comme ça toi, t'es plus. Il est plus rapide en plus ce con. D'accord. Putain, il fait mal en plus ce con. Il fait vachement mal. Je vais y accueillir. Ok, toi tu vas dégager tout de suite, ton croupi. Oh putain, il fait mal. Hein. La vache. C'était qu'un putain d'Axoloto, hein, bah bon. Ouais, Kotova, ça aurait pu être sympa, Kotova. Enfin, je pense. Enfin, bon, quand... Je récupère un putain de crocodile ici quand même, donc c'est pas si mal. Un crocodile qui peut se soigner, non mais. C'est bien quoi. J'allais dire allo quoi, mais je me suis souvenu qu'il y avait un copyright. Et que j'aurais pu agir, moi. du coup, on va sur la dresseuse contre qui on a perdu. J'espère ne pas perdre encore contre elle, parce que sinon ça me vexera un peu. Ouais, mais vraiment, je suis déçu par Aquoi. J'ai vu Aquoi dans le truc. J'avais choix entre Aquoi, Charcos. Et une merde. Parce que si je me souviens pas, c'est que c'était une merde. Et mon Charco, j'ai pas pris parce que voilà. Enfin, il est bon, mais sans plus. Mirondelle. Non, je vais pas rester. Je vais renvoyer encore une fois Mistero. En espérant qu'il me lance pas un truc à la con.
Oh non, toi tu vas pas me faire chier par contre. Attaque spéciale, d'accord. Allez. Oh putain, je tape que d'un. Allez. Ok, j'ai brûlé, ça c'est nice. Ok, tranquille, tranquille. C'est... Pff. Ok, ça passe. Megu nous monte au niveau 4. Mister monte au niveau 5. Ça, c'est très bien. Par contre, on n'a pas beaucoup de défense. Hein, donc ça, je regrette un peu, mais bon, on va faire avec. Donc là, je retourne au centre Pokémon. Mais là, je suis vraiment agréablement surpris par Mister O, même si, bon, il n'y a pas de super stats défensives. Au moins, on a un bon Pokémon avec entrave et une attaque de soin. Bon, maintenant, on est un peu merdique face à des Pokémon type Vom, enfin, des types Plantéo, mais enfin, bon, on verra bien. Plante et... Trip, pardon. Chemise, bon, il aurait pas été mauvais. Ouais, il y a des bons Pokémon sur cette route, ça va. Alors, voyons voir, qu'est-ce que t'as. Papillord, bon, je ne reste pas, vous savez. On va voir. Bourdon, oh putain. Oh putain, la vache. Ah, fait mal ce con. Ok, non, j'ai jamais réussi à buter comme ça. Regarde, quoi, ok, au croupi. Oh putain, merde, oh putain! Nique ta mère, putain, sa race! Bah, putain, pourquoi? Bon, bah, voilà. Super, merci, Papillord. Ouais, il me reste un Kunotor! Ouais, putain. Bon, bah, c'est cool. J'ai perdu mes deux meilleurs Pokémon en un coup. C'était marrant. Attends, mon buff, c'est pété, mon buff, non? Ah ouais, quand même. Ouais, mais après, ouais, j'ai une bonne attaque et une bonne attaque spéciale. Ok, bon, bah, c'est génial, écoutez. C'est génial. Oui, t'es gentil, mais là, il vient de crever, donc voilà. Bon, bah, j'ai perdu Taker 2, XD, MDR. Oh non, non, pas toi, non, toi, t'es con. Oh, toi, tu me saoules. Bon, on va respecter quand même la règle du Nosoc, on va essayer d'aller jusqu'au bout avec Kunotor. Même si je pense qu'il va bientôt falloir que j'attrape un Pokémon, parce que, voilà. Putain, mais je suis déçu. Putain, mais j'ai trop fait con. J'ai trop fait con, putain. J'ai perdu mon starter à la deuxième route du jeu. Il m'a pété un cap, Taker. Visiblement, elle ne va pas passer. Hein. Elle ne va pas passer cette route, Taker. Bon, il y aura une autre dédicace, parce que franchement, si je donne qu'un seul Pokémon qui meurt à chaque fois, ça peut être génial. Tu peux un Acoly avec des sets pourris. Voilà, j'aurais une meilleure attaque spéciale, j'aurais chassé le truc. Non, ta gueule. Mais putain, mais pourquoi il y a Miss Vébraco aussi, c'est PD. Pourquoi il y a Miss? Bon, bah, du coup, bah... Là, j'ai vraiment la flemme de renommer la boîte, hein, donc, du coup. On dépose Acoly et on dépose... non, pas toi. Voilà, merci. Du coup, il ne reste que Médus et c'est Swag. On va faire quand même derrière. On va être. Il y a deux Pokémon qu'on peut attraper. Donc, bah, on va y aller tout de suite au lieu de faire ces trucs à la con. Hein. Ok, c'est parti. Route 204. Allez, un bon truc. Allez, allez. Ah, ça ralentit. Bon, Mouste Boué, on va dire qu'il y a mieux, mais. Mais ouais, mais le problème avec Broa, c'est que je pourrais pas m'arrêter, donc je suis obligé de taper avec mon buff. Ah, je tue pas, bon. Ah merde, oh putain, je me suis passionné, je suis vraiment con. Normalement, c'est de vrai Muste Boué. Putain, merde, il fait chier. Eh, attrape-le, s'il te plaît, c'est un Muste Boué, merde. Ouais, merci. Alors, Muste Boué, comment j'ai tapé? Bah écoutez, bah je vais appeler Aillon 2, tout simplement. Voilà. Comme ça, il y aura un deuxième Aillon, c'est Swag. Là, par contre, faut que j'enlève le mode de speed quand je suis nomme parce que sinon c'est galère. Là, par contre, là j'ai des lags, heureusement que j'ai toujours parce que là j'ai un gros lag. Là. Non, Aillon. Ok, 2. Voilà, super. Donc j'ai un Muste Boué. Bon, j'ai une équipe un peu pourrie pour le moment, mais on va faire avec. Ah, un objet. Ah, d'accord, il y a une CT. Il y a une CT sur lui, c'est très. Ah oui, en fait, j'ai pas vu la CT, j'ai quoi comme truc statique? Ok, bon, d'accord. Donc tout statique, visiblement, dans cette version.
Putain, j'ai pas vu. Ah oui, j'ai gagné une CT. J'ai quoi comme CT? Bélier, pouvoir antique. Pourquoi il a pas changé de couleur, pouvoir antique? Je sais pas, enfin bref. Bélier et. Ok, bon, que Megu ne peut pas. Mais attends, mais type ténèbres attaque. Pas de ma gueule. Eh merde, putain, j'ai utilisé. Oh putain, j'ai envie de rage quitter. Putain, pouvoir antique, ça aurait pu être utile en plus que sans un autre. Oh putain, fais chier. Putain, mais je croyais. Putain, je suis con. Bon bah, Megu a pris pouvoir antique, c'est cool. Ouais, écoutez, c'est complètement useless étant donné que j'ai bon buff, mais enfin bon. Bon, on va sur la route à droite, écoutez. C'est parti. Quoi, qu'est-ce que t'as toi? Oh putain, ta race. École des dresseurs. Ok, bon bah écoutez, voilà, il ne reste plus que deux Pokémon et je viens de gagner une CT, donc je suis pas content. Moi, pas être content. Et puis voilà. Aïe, 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 cacahuète. Bon, mais je sens que j'ai crevé, je sais pas pourquoi. Je vais tenter les dresseurs, mais je sens que j'ai crevé. Alors on va mettre... Okay. Donc j'ai dit, je suis pas d'XP, donc on se démerde avec ce qu'on a. Mais je suis sûr, j'aurais attrapé le Kyogre. Oh. Le premier Kyogre, j'aurais attrapé. J'en serais pas là. D'accord. Tu vas faire ce que tu peux. Tu vas faire ce que tu peux, Elion, on va dire. D'accord. Bon, bah, écoutez. C'est génial. Ouais, mais j'ai peut-être une chance encore. Bon, buff. Oh putain, là, j'ai raté. Allez, rate pas. Putain, PD! Oh putain. Bon bah on n'a plus de Megu, il nous reste plus qu'un Elion 2. Hop là, pistolet là-haut. GG, j'ai encore perdu. Voilà, c'est Nuzlocke, c'est génial. Avant toute chose, blablabla. Ta mère, sop. Bon, bon bah j'ai encore perdu, donc du coup bah je vais refaire une coupure jusqu'à arriver à Félicité. Bah j'ai attrapé un Pokémon quand même. Non, je vais aller jusqu'à Félicité, puis je vais attraper Pokémon des routes d'envoi avec vous. Bon, et à tout de suite. Ah, bon, bah, à tout de suite, écoutez. Et donc, nous revoilà donc pour ce troisième essai. Alors là, j'ai un Pokémon méga swag. Vas-y, canard tichot. Vas-y, canard VC. Ouais, regarde. Bon, j'arrête de faire cette voix à con. Ouais, donc j'ai un putain de canard tichot. T'as une bonne nature, pour une fois. T'as une capacité... Non, je vous jure, en fait, quand on y réfléchit, c'est chiant. Parce que le truc, c'est que, je sais pas, c'est... C'est en fait des capacités comme un Airtonage ou Sable Volant, ça sert que si toi, t'es immunisé. Mais là, je suis pas immunisé. En plus, j'ai des attaques genre rebond et pique. Et aussi, j'étais très surpris d'apprendre que Fumifère, ça fonctionne pas comme Riposte et Voix Miroir. En fait, je l'explique, en gros, Riposte et Voix Miroir, ce sont des attaques à priorité inférieure, donc ça veut dire qu'en gros, ça attaque tout le temps avant les autres. Or, ce n'est pas le cas ici, malheureusement, vu que la vitesse est prise en compte. Donc, en gros, Fumifère me sert strictement à rien, c'est génial, vu que je suis trop rapide. Voilà, donc j'ai des attaques swaggy, j'ai un canard-tichot swaggy, bref, c'est à car 3. Sinon, j'ai failli de capturer un Ermure. En plus, sur Ermure, il y avait Corseur, ça fait un putain de combo avec le canard-tichot. Mais ça n'a pas marché, malheureusement. Et du coup, bah aussi, il y avait un crève. Alors, crève, j'ai droit à petite cinématique, j'ai cru que Arom avait planté au début. Non, bah, c'est tout de suite un Pokémon. Ariyama. Ouais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Le truc, c'est que j'ai peur de tuer avant, du coup. Bah, je vais apprendre. Ah oui, merde. Ouais, bah, du coup, bah, je vais attendre. Hein. Que ça va faire parce que. Je vais attendre parce que. Le problème, c'est que. Non, mais je vais pas. Non, mais là. Je vais tenter de lancer des Pokéball. Je vais tenter parce que voilà, mais. Parce que pour honneur, mais. J'aurais dû taper avec Pikachu avant, en fait. Ok, je peux rien faire. Ok, ouais. Là c'est risqué. Ouais vas-y je vais finir, je vais faire un XP, voilà. Bon, tant pis. On va se faire un Iron avec un artichaut, ça va être très marrant. Enfin bref, XDMDR. Bon, on va avancer quand même. Parce que voilà, histoire qu'on revienne pas tout en même endroit chaque fois. On va essayer de se faire féliciter, ce serait swag. Alors
Bon, on a un putain de canard artichaut, d'accord. Il faut apprendre d'Amder aussi, mais j'ai fait, bon, vu qu'il y a une meilleure attaque, je préfère garder Pic-Pic pour le moment. École des dresseurs, voilà. Donc, on va parler à Chagueto, voilà. Non, pas Chagueto, tu comptes la guerre, pardon. Donc, Tacker 3 qui est pas décevant du tout, hein, il est marrant. Il est marrant à jouer Tacker 3. C'est un canard artichaut, quoi, c'est genre canard artichaut de Grace Black, quoi, c'est un truc de rude. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle prenne Cause Combat quand même. Putain, mais Ariyama, j'aurais pas fait con en fait, j'aurais attaqué avant, quoi, j'aurais pas été mort par le coup, je pense. Enfin, en fait, c'était tellement des stats randomisés, donc je sais pas, mais bon. Moi. Bon, c'est parti, toi. Hop, je me bats contre toi, on va mettre un petit coup de turbo. Ah oui, voilà. Snowbo, normalement, il n'y a pas de difficulté. Bon, c'est un piqué pour voir. Oh, ma femme et ma valise. Alors, voilà. Oh, putain, mais je gagne pas beaucoup de DV, ça me saoule. Mais... Je gagne beaucoup de PV, mais c'est tout, en fait. Bon, c'est pas si mal les PV, vous me direz, mais enfin, bon. Bon, alors, toi. Je crois que t'es pas un Pokémon Glass ou je sais pas quoi. Ok, plus ou moins. Oh, ma femme et ma valise. Oh fuck. Oh fuck bullshit. Putain, merde, heureusement j'ai des antidotes sur moi. Mais arrête pas, arrête pas, arrête pas, arrête pas. Ouais, ok. Putain, merde, fais chier, il m'a empoisonné ce con. Heureusement que j'ai acheté des antidotes parce que sinon à 8 pages je serais mort. Alors, oui, j'ai une CT chatou aussi. Ça c'est assez fun, pardon, mais c'est du bug. Ta carte 3 n'est plus empoisonnée, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc je vais avoir ton copain qui va me donner une CT, je crois. Bon, on a une potion, d'accord, merci. Si tu veux, bon, merci pour la potion, je vais plaisir, ça prend des secondes, tout ça. Comme ça, il y avait, je sais pas un combat en bas, bon, on va le faire. Je sais pas si c'était un combat, oui. Non, c'est pas un combat. Par contre, il y a un item que je vais récupérer tout de suite. Potion, alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces verbes? Ah oui, il y avait aussi donc armure, parce que je crois que j'avais peut-être pas, il y avait armure, crèf, donc je droit petite cinématique, il y avait un granivore, je vais même pas essayer d'attraper, j'ai tué. En général, je crache pas sur les Pokémon, mais quand ils sont vraiment pourris, voilà quoi. Ouais, j'ai un putain de canard artichaut. Ah oui, j'ai pas dit au fait, mais la spécialité des champions d'arène est modifiée aussi, normalement. Bah, j'espère qu'elle sera modifiée, parce que si c'est spécialité roche, je suis dans le caca, hein, putain, pour le moment. Oui, je pars à tout le monde si tu veux, d'accord. Je crois que j'ai jarté Fumifère parce que ça me sert à que dalle en fait. Moi je me suis dit putain c'est une attaque swag. En fait non parce que ça n'a pas de priorité moins tout ce que vous voulez. Donc ça marche que pour le Pokémon Trésor en fait Fumifère. Bastion non quoi. Et Gale King. Hein. Parce que Gale King il apprend aussi ça. Par reproduction, mais enfin bref. C'est une très longue histoire. Ah ouais putain oui, faut que j'aille récupérer les 3 coupons à con, vas-y. Pêche. Alors j'espère que vous allez bien. Bah moi ça va très bien, moi bon, jeudi je sors. Bon ouais je continue tourner la suite hein. Tu m'offres une Pokémon, quoi, qu'est-ce que tu veux. Obtenir un bon de chaque bouffon, d'accord, merci. D'un bouffon. Oui. Bah évolution, ouais, tu prends pas en compte, c'est ça, ok génial. On vient voir. Comme ça mais donne rien à ma maison. Résidence de félicité, encore plus, je sais pas, faut voir, mais. Bon augure, blablabla, ok. Pour toi. Oui, il peut tenir un bloc, hein, faut pas déconner. Ah bah, hop là, eBay. Bon pauvre, bon 3, ok, moi je fais dans des ordres, qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème. Là, il me semble, il parle le deuxième. Ouais, parfait. Oui. Blablabla, bon Pokémon. Et au début du jeu, il faut quand même 13 heures, c'est ça pour aller avec la team que j'aime pas. T'as beaucoup de Jaga à con, des conneries pour récupérer encore des conneries. Une connerie que vous allez même pas voir d'ailleurs, hein. Il y a Pokémon, quoi, sur l'écran inférieur. Ouais, ok, mec, c'est plus compté, c'est un complet assisté, mec. Ouais, il est 21h54, yippi! Comme si j'avais pas mon ordi, connard. Et une montre sur moi et mon portable qui enregistre. Bref. Bref. Bon bah du coup, bah attends, est-ce que mon canard, super canard toute sa vie? Est-ce que Tacker 3 toute sa vie? Ouais, super, il a toute sa vie. Du coup, c'est parti. Parce que lui, je sais qu'il m'attendait, c'est pédé. C'est bien parce qu'on pourra attraper un nouveau Pokémon. Enfin, espérons-le.
D'accord, toi t'es comme ça, moi. Alors, je vais me méfier de l'euphorie, parce que ça trouve sa stat. Ok, plus de pression, d'accord. Par contre, là, c'est vrai que ça me fait chier, mais acupression, d'accord. Parce que sa stat, en fait, en vitesse, est peut-être passée en défense et peut-être passée en attaque, donc il peut faire très très mal, en fait. Ouais, non, par contre, t'as pas me faire chier, sérieux. Puissance, là, c'est dégueul. Ok, là, par contre, XP, c'est la fête. Ah, bon, ah oui, c'est vrai, il garde son starter qui est à bout. Bon, bah, écoute, ça prend de pitié. De l'aventure après, donc je me vois à HSM4. Alors j'ai Taker, alors Taker il va me chasser, mais c'est un putain de starter Yiputu. Ce Yiputu est juste génial, c'est un Yiputu Stover en fait, vous voyez. Donc voilà, bon, je tape pas très fort, mais j'ai des bons stabs, j'ai des bonnes attaques. Bon, ça peut-être pas glace, on va faire avec. Donc j'ai Aeon 4 ou Krixik, Aeon 3, pardon, excusez-moi. Avec toi et Megacorn, donc plus j'ai fait exprès en vitesse, et puis j'ai surtout le Papillu, donc le Tarpo. J'ai eu du mal à l'attraper, mais j'ai eu, et puis il avait fait me buter mon Yiputu, mais bon. En la capacité qui est complètement useless, vous l'aurez remarqué. Une nature qui est pas mauvaise, enfin, j'espère que je vais choper des attaques physiques, quoi. Et on a Cognon Bidon et des attaques pro, donc voilà, c'est cool, c'est swag. Alors, on va essayer d'attraper un Pokémon, alors je vais mettre Yiputu devant. Oh non, je sais pas plus de venture. Allez, c'est parti. Parce que j'ai pas tenté ma chance ici encore. Oh bah d'accord, ok. Ouais, je t'attrape, mais c'est bien parce que, voilà, quoi, t'es après vous de Méobulus, hein. Putain. Tristesse infinie, tristesse infinie. Hop là, est-ce que je te donne un surnom? Ouais. Je vais t'appeler Cyplay. Parce que je sais que, voilà, t'as cru que Miobu, c'était un putain de dragon, donc voilà, je t'appelle Sapway, tu es un barco. En plus, t'attaques Corrombu, tu donnes son nom de merde, alors je te chasse, voilà, parce que Corrombu, c'est un de mes potos cacahuètes. Et puis voilà, donc Sapway, puis s'il y a Miobu, bah, il s'appellera Sapway 2, mais voilà. Alors, on va voir de quoi est capable Sapway. Non, franchement, lui, par contre... Ah, quoique... Putain, il y a une bonne salle d'attaque spéciale, ce con. Il y a vraiment une bonne salle d'attaque spéciale. Ah ouais, quand même. Oh, bon, on verra. Il peut être meilleur que Lyon 3, même. Même si, bon, je ferai pas évoluer. De toute façon, je pourrais pas évoluer, vu qu'il faut lui augmenter sa beauté, que moi, avec les concours Pokémon, je suis une grosse bite. Écoutez, bah, j'ai pensé qu'on ferait aussi les dresseurs. Non, on va faire d'abord les codes des dresseurs. Les codes des dresseurs, enfin, vous m'avez compris, quoi. Quoique, peut-être la route en haut, avant. On verra. Alors là, je vais ramener Lyon devant. Non, ça peut être, on va mettre ça peut être devant. Par contre, je crains bien qu'il n'apprenne qu'une seule attaque, malheureusement. Bon bah, écoutez, ce sera un sapeur avec que Vibrancourt. Moi, bah, je pense que je suis le seul mec au monde à avoir gardé Barpo dans son équipe. Non, mais franchement, il y a une bonne attaque spéciale. Et je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Enfin, j'espère. Oh, un dresseur air plutôt faible. Viens, salope. Ok, papinos, je me barre. Il y a un sec vol ou un sec poison, ce con. Putain, je ne serai jamais. Je vais envoyer le riz papy parce qu'il peut avoir une attaque insecte à la con. Voilà, taillade. Saumur. Taillade, donc on va pas être très loin, pépé. Saumur qui est vraiment une bonne attaque, ça va. Donc, ouais. Ok, donc papy niveau 8. Génial. Renia, S-Renia. Du coup, je vais récupérer l'item. C'est bien parce que ça nous fait un petit peu d'XP. Anti-para. Hop là.
Non, franchement, hop, t'as pas bien aimé, je pense, pomme de pique, ça. D'accord, ok, je me barre. Je vais en... Ah bah tiens, bah, j'ai envoyé Yon qui va se faire aller pour le swag. Rayon chargé, d'accord, si je veux. Je chasse. Je peux dire quand même. Ouais, merci. Au revoir. Je retourne au centre en vitesse, je vais me faire un deuxième dresseur en haut. Non, mais je pense que vous ne faites pas chier parce que vous me voyez avoir des nouveaux Pokémon toutes les 5 minutes. Vous me voyez crever aussi, ça c'est marrant. Ah oui, en fait, Tipoutou a une roche royale que j'ai mise sur Tarpo. J'ai donné à Tipoutou, j'ai donné à Takier parce que voilà. Parce qu'il est royal, Takier, et puis voilà. Royal Takier. Ah, ça c'est nouveau hamburger chez nous. C'est une blague pour Royal Takier. Oui, c'est tombé. Voilà. Ah merde, j'aurais dû mettre Kenetor devant. Un médu, enfin bref, pas grave. Ok, je me barre, d'accord, j'ai compris. Je vois ta guerre. Étincelle. Oh putain, d'accord. Fais gaffe. Étincelle. Ouais, merci. Hop là. Ta carte niveau 8. Ah, Omboréa, toi tu m'intéresses. Parce que c'est mieux que Bagua, c'est pas Tekinésie, ça fait quoi cette merde? Oh non, Tekinésie, franchement, c'est attaque de hack, ça sert à rien. Je te prends Omboréa. Voilà, c'est pas mauvais, c'est pas dégueulasse comme attaque. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Ah non, il me semble qu'il y a un coup, il y a un autre dresseur à faire. C'est pareil. Là t'es chanceux, poulet, franchement là t'es chanceux, je commence à être un peu chiant. Ouais, mais du coup, le problème c'est que j'ai envie de pas te tuer. Mais il va se faire mieux si vraiment se charger, c'est bon, voilà. Ouais, mais en fait, ça peut, j'ai craint que sa poulet ne soit vite fait limité. On verra, mais pour le moment, je continue de faire XP parce que j'ai que ça à foutre, mais bon. Voilà. On va dire que là, je fais de la charité, c'est-à-dire que j'attrape un Pokémon. Si j'estime qu'il est pas trop dégueulasse, enfin. Tarpo est dégueulasse, Barpo est dégueulasse. J'ai Tarpo et Barpo, ça c'est génial. Donc voilà, mais bon, on va se démerder. On fera avec, faut faire avec dans la vie. On choisit pas tout le temps ce qu'on a. On a des Pokémon de merde, et pas on a des Pokémon de merde. Voilà, c'est tout. Voyons, et Yon est devant. Hop là. Ah bah oui, il y a la grotte aussi, mais je pense que je peux choper un autre Pokémon. Ça c'est cool. Ah, toi je peux. Je vais essayer de me faire. Ok, d'accord. Ah bah c'était violent, putain. Bon bah au moins, Yon. Ok, d'accord, Yon. D'accord, d'accord. J'ai compris, faut pas t'énerver, d'accord. D'accord. Je retiens. Je vais mettre Tarpo devant. Voilà, méga quorn, méga power. Alors toi, je suppose que tu me donnes que dalle, évidemment. Ouais, mais les rochers bloquent, mais je peux toujours aller dans la grotte. Donc ça, c'est cool. Je vais mettre Tapis devant pour la grotte. C'est parti. Je mets un rocher, ouais. Donc ça, c'est un nouveau Pokémon. Mais j'ai l'impression que des Pokémon qui sont pas randomisés. D'accord, ne sera plus avec Rachin. Why not? Je vais envoyer Sapoué parce qu'il va peut-être pouvoir me tuer. Attendez. 8-8. Ah putain, il peut me tuer à ce coup. Du coup, je vais en. Oh, putain, mais je peux lui envoyer ici pour pas le tuer. Sachant qu'après, Ayon, je ne vais rien lui faire. Non, mais je tue avec un pistolet à eau, je sens. Donc, je vais choper pour pas avoir à. Capucine de papier sucre, donc. Non mais je veux ce Noceraptor crachin. Voilà. Donc Noceraptor, alors je vais le nommer comme un chien, je vais t'appeler. Noceraptor. Vas-y, je vais t'appeler Warzajeff. Donc dédicace à Warzajeff. Tu es un Noceraptor avec crachin. Voilà. Et tu seras très utile, je pense. T'es malin en plus, donc ça, c'est pas génial. Parce que t'as une bonne vitesse à la base, c'est dommage. Que poison et su digestif. Putain, mais j'ai une team de winner. C'est génial. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a des Pokémon qui n'ont pas été randomisés. Je sais pas, c'est bizarre. Parce que là, voilà, des barpos. Bon, ok, y a pas des barpos sauvages. Enfin, vous m'aurez compris. C'est quand même un Pokémon bien pourri, quoi. Enfin bref, ouais, je pense vraiment que je vais te saper dans la boîte parce que. Je
crois que ça sert à rien du tout. Enfin, je peux toujours regarder, mais enfin, bon. Ouais, bah écoutez, je vais garder pour le moment. Puis, vu XP que je me fais, je peux me permettre. Au pire, sauf faire un sacrifice, je ferai le sacrifice, mais. Bon, voilà. Voyons voir. Alors, je vais mettre. Bah, je vais mettre leurs adjacks dedans, du coup, pour faire XP. Alors, je vais quand même essayer de faire donner d'avance à, aux trois autres Pokémon, aux deux autres, à savoir. Bah, tout simplement. Yuputaker et pas de plus parce que voilà c'est meilleur faut dire. Ah intimidation, ah merde, fake. Bon, vas-y pas plus, fais-toi plaisir. Attaque plus, d'accord, si tu veux. Hop, vas-y, on quoi. Au revoir. Ah non, même pas. Non mais une sortie avec Krachin, c'est intéressant. Voilà, c'est innovant, c'est. Voilà. Hop là. Suivant. Ouais, on va. Qu'est-ce que t'as, toi? Ah oui, d'accord, toi tu rigoles pas, toi. Toi t'as Brismou, tu te rigoles pas. On va pas te tuer. Avalanche, d'accord. Moi je te balance une vibra quoi la gueule. Voilà. Vent mauvais. Attention. Ça rigole plus. World Zadjet niveau 6. Papillon niveau 9. Est-ce que tu vas prendre l'attaque? Non, t'apprends toujours pas d'attaque, PD. D'accord, je retiens. Tarpo, est-ce qu'il apprend des attaques? J'espère qu'il apprend des attaques parce que si je sortais avec ça, ça va pas le faire. Ok, j'ai une potion. J'ai pas vu la CT. Je crois que c'est gaz toxique que j'ai comme CT. Si j'ai bien vérifié, c'est gaz toxique. Ouais, bon, ok, en tout cas, c'est à la con. Qui ne sert strictement à rien. Voilà. Ça, c'est dit. Ok, donc, voilà. Là, je pense qu'on va pouvoir se faire T2EG. Commande à galère. Je vais mettre qui devant? Je vais mettre. Bah, je vais mettre Psycho et devant, du coup. Voilà. Pour faire XP. Bon, il va pas participer au combat. Non, mais je les entraîne quand même parce qu'ils peuvent servir de bons sacrifices, quoi. Des sacrifices qui peuvent faire des dégâts. Donc, je les entraîne quand même. J'espère que t'es pas des Pokémon de connard, toi. Pas un abo avec Rock Boulette, préférence. Bon, je suis sûr qu'il m'a tué. Ok, quel plume. Je me barre, je vais envoyer. Bah, genre, oui, Taker. Taker, ouais, c'est parti. Vitesse extrême, ça lui va bien en plus, hein, mais bon, vitesse extrême. Alors, est-ce que la roche croyait va marcher? Non, ça ne va pas marcher. Et je te finis avec une Montréal, bon bah. Ça va, toi, moi, ton esquive, coco. Alors, Scarabout. Ah merde, j'ai oublié de mettre quoi en mode, j'ai pas du fini. Scarabout, je me barre. Ah, bah, j'aurais une sortie, tiens. Ouais, parce que là, il va me balancer des. Ouais, bon, ça me fait que là. Vas-y, que poison. Heureusement que j'ai craché un, putain. Ok. Ok, là je me barre. Je vais envoyer. Bah, je vais envoyer Sideplay. Faut que le dragon ça doit. Ok, d'accord. Je me barre encore. Bon, bah, on va envoyer Papillu. Et You. Non, bah, You. Ah, non, merde, il lance-flamme ce con. Oh putain, d'accord. Lui, il rigole pas du tout. Megacorn. Oh putain, il est tout. Ok, vas-y. Ok, je vais quand même essayer de les garder en vie, ce serait bien. Putain, il est puissant, Scarbrut. Hein. Ah, il est vachement baise. C'est mieux, allez, dégage. Donc là, tout le monde gagne du XP, ça fait que le village. Hop, 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 Warzone niveau 10, niveau 7. Pas plus niveau 10, t'apprends que dalle, merci connard. Ouais, comme d'hab, pas plus quoi. Ok, donc du coup, on va pouvoir passer à autre chose, ouais. Bon, à partir de maintenant, franchement, je vais me taper du combat du rêve en off, quoi. Et tous les combats petits coins, vous avez vu, je vais me taper avant. Donc, voilà, parce que sinon, ça va faire chier un moment. Voilà, c'est mieux, on a une petite équipe, on a des sacrifices potables, on a nos serpents avec crachin, c'est tout bénef, quoi. Du coup, bah, là, je vais mettre, bah, je sais, c'est un peu devant. Ils peuvent servir, même, avec un double type, enfin, notamment nos serpents qui peut servir. Donc, voilà, je vais pas cracher dessus. Ah oui, nouveau, ah oui, nouvelle route, donc, qui dit nouvelle route, dit nouveau Pokémon. C'est parti. Ah Cresselia. Je te veux. Bon, je la fais bien avec cette play. Ah putain, je suis plus rapide, sérieux? C'est normal ça? Ah oui, d'accord. Ok, t'es comme ça, toi. Toi, t'es comme ça. Est-ce que j'envoie Warzadjef? Est-ce que je prends le risque d'envoyer Warzadjef? Bon, c'est risqué. Ou alors... Non, parce que là, j'ai peur de... J'ai peur de faire de la merde. Bon, bah, cette play est mort, déjà. Ou alors, ce que je peux faire... Non, mais Warzadjef, le ce problème, c'est que j'ai peur de... J'ai peur de tuer avec... Non, oh putain.
Moi, j'ai cru que j'allais m'enfuir. Ah bah attendez, mais attends. Putain, heureusement que la fuite a pas marché, hein, putain. Attends. Ah putain, il sait faire que des vendetta. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Je veux ce Cresseia. J'ai combien de bois, par contre? Faut que je fasse gaffe. Putain, j'ai une 6, merde. Bah, je me mets d'affaiblir encore. Putain, mais avec des vendetta, ce con, nos serpilles peut se faire, limite. Ok, là, t'es dans le rouge. Je peux rien faire d'autre, hein, donc là, je vais utiliser... Non, merde, faut que je fasse gaffe, faut ajouter toutes les Pokéballs. Je vais tout donner pour ce Cresseia parce qu'il peut être vraiment bien. Je vais tout donner. Allez, rentre dedans, PD. Ouais, tu veux une honor ball? Ok, d'accord. Ouais, je tente, hein, je tente. Franchement, je tente parce qu'on sait jamais. Ok, bon, bon putain. Mais... j'envoie une poké pour tenir le coup, pour encaisser. Ok, putain, mais ce truc est ultime à Washi, quoi. Putain, mais je veux ce Cresseia, il est épique! Oh putain, mon temps. Ok, c'est pas. Je suis deg, quand même. Je suis putain deg. Bon bah tant pis, pas de Cresseia, et puis j'ai plus de Pokéball, j'ai donné toutes mes Pokéball là-dessus. Voilà. Si on avait des meilleurs beaux, j'aurais pu faire quelque chose, mais là, c'est pas possible, quoi. Putain, mais c'est un Cresseia avec Ultima Washi, il avait des pieds, putain! Vas-y, elle avait des pieds plutôt. Oui, je... Ah oui, bah du coup, c'est le premier mort. Ah. Ouais, bah oui, c'est pris une vendetta dans la gueule, ce con. Bon, bah, avant, ça paye. Non, franchement, j'ai la peine de nommer boîte, hein, franchement. Je ferai peut-être ça en fin de Zoc, mais là, voilà. On est en droit. Au revoir, ça paye. Tu es le premier mort. Tu es mort face à un Cresseia avec vendetta. Sniff, sniff, en moi. Ouais, j'ai plus de Pokéball. C'est... Attends, mais je peux m'en acheter, je pense. Putain, mais je suis deg. Je suis deck, j'aurais pu me faire une Cresseia. On va voir. Ah bah ouais, bah j'ai du fric, ça c'est bon. Ça, c'est cool. Putain, j'aurais dû en racheter, je suis bon. Ouais, je vais en prendre 7. Voilà. Parfait. Donc, du coup, on va continuer, écoutez. Bah là, je pense que je vais essayer à partir de cette capture-là. Enfin, si je faille sur cette route, mais ça m'étonnera parce qu'on est quand même bien parti. En avant, Krixik, nos serpilles, est un chuchemur. C'est Sims Very Legit. Ouais, bah, du... Ah bah quoi que je peux peut-être me tenter, bah je vais me tenter avec, non je vais pas tenter, je vais lutter comme ça. Je vais faire un peu de mon packer. Oh merde, excusez-moi, il y a un problème de son. Ouais. Excusez-moi, je sais pas si vous entendrez qu'il y a un problème. Je n'y pense, non merde, je peux pas changer, je peux jouer le mode défini, excusez-moi, j'ai un petit problème. Voilà, parfait. On peut reprendre. Alors, chenipan. Vas-y, nous sommes. Tu vas me faire quoi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Je vais argenter, ouais, super, du PV. Que poison. Vampirisme, d'accord. Le pire, c'est que ce truc, ça va éviter les deux KO. Ouais, GG, nous sommes petit. T'es un PGM. Ouais, hop, arg, tes Pokémon. Arg, arg, arg. Putain, mais Cresseia, Epicness incarné, quoi, ce truc. Du coup, bah, nous sommes petit devant. Putain, yo, il est au niveau de Takir, c'est pas normal, faut que j'essaie de faire Takir, faut que je me démerde. On va voir, qu'est-ce qu'il y a. Pokéball, bah tiens, ça tombe bien, j'aurais peut-être attrapé avant, parce que du coup, bah, j'ai pas chopé mon Cresseia, mon méga Cresseia, voilà. Avec Vendetta et tout, j'espère qu'on va en croiser, hein, parce que c'est vraiment marrant, c'est vraiment... Ok, d'accord. Lucario, bah j'en ai pas plus, je crois que j'ai que ça à faire, en fait, face à ce truc. Carnacure, oh putain d'accord, ouais. Explo force. Ouais, Lucario c'est swag, mais bon, voilà. Ouais, du coup, bah là, c'est Patrick qui prend XP. Voilà, niveau 11. T'as perdu les doigts dans le cul, voilà. J'en prends mon centre de vitesse. Non, mais c'est marrant parce que je sens que les vidéos vont faire 10 heures au final. Ça va être très marrant. Mais là, je suis bien parti, franchement. Là, je suis pas mécontent. Juste Cresseia, je trouve ça très dommage que j'ai pas pu la choper. Pourtant, j'avais bien affaibli et tout, enfin, hein, bref. J'aurais dû en prendre plus. Enfin, bref, c'est pas grave. C'est pas grave, Vaya Jack Test. Ouais. Bah, du coup, enfin, je vais XP Takir quand même. Mais Takir, vraiment, pour un scolaire, vraiment un tout bout type, vraiment un chier, quoi. Ça a pris une faiblesse. Luminéo, bon, ça aurait pas été forcément dégueulasse, ce truc. Surtout qu'on a crachin. Et que visiblement, Tarpo n'apprend pas d'autres attaques. Il me semble qu'il y en apprend, hein, si j'ai pas de il y en apprend. Ok, j'ai envie de ta carte quand même, parce que voilà. Écrasement.
Psycho. Merci. Bon, bah attends, si c'était pour ça, autant essayer de nous sortir, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que toi, t'as des bons Pokémon? Toi, tu m'as fait genre. Oh, bah d'accord, putain, j'ai des Skitty aussi. Ok, des Skitty, bah, du sable dans la gueule, c'est. Ouais, j'ai trouvé un dresseur. Qu'est-ce que t'as comme Pokémon? Ah, bon, ouais, je me barre, on sait qu'on jamais. Ah, toi, que. Bon, je vais me barrer quand même. Ouais, Jinx. Constriction, donc, en plus, ne pas me barrer en fait. Ah putain, tu as bien ce con. Eh les gars, bon, avec Constriction, par contre, ça va pas très grand. Ça, je te l'avais. Racaillou, putain, faut que je se mette dessus. Ok, bah, Racaillou, au revoir. Putain, mais ils ont que des Pokémon faibles ou. Ah, Yanmar. Je voulais le rester de toute façon. Hop là. C'est Swaggy. Deoxys. J'ai peur. Oh mon dieu, méga sensus de Deoxys. Je vous jure, j'ai retenu ma respiration. Hein, parce que putain, Deoxys niveau 4, ça fait peur. Alors, viens voir. Ouais, bah écoute, c'est parfait. T'as pas pu appris bien, bien près du niveau. Et on est face à une nouvelle grotte. Donc, dit nouvelle grotte, dit nouvelle route, nouvelle zone. Oh my god, ça y a man's speech. Oh putain, bitch. Ah bitch, please. Oh putain, je savais que j'ai envie d'enlever cette option. Oh putain. La Dracorap, c'est con. Oh bah, j'ai perdu Papyrus, c'est génial. J'ai perdu Taquière, j'ai perdu encore mon starter. Oh vas-y, je suis con, puis voilà, c'est génial. J'ai perdu Sapé aussi. Est-ce que lui, on va être plus rapide? Ouais, cool, soit dit. Ouais, bah, j'ai fait con, j'ai perdu une sortie aussi. Hop là. Oh non, mais là. Ah oui, merde, et du coup, elle va commencer à exploser ce con. Oui, parce que j'ai dit, je ne fais pas évoluer les Pokémon. Donc, putain, j'ai pas dit exploser. Je crois que j'ai dit exploser. Non, évoluer, hein. Oh putain, mais je suis deg, il y avait. Putain, mais pourquoi il y a pas tué là? Putain, il y avait. Putain, grosse bite. Tes cartes est vraiment une grosse bite, hein. Voilà, j'ai dit. J'ai pas peur de le dire. Va te faire enculer, gros con, va. Ouais, bon, bah, putain, mais Dracora, je vais te faire enculer. Je sais pas, il aura pas pu spammer les ouragans. Je sais pas, ça aurait moins fait de dégâts. Papyrus serait en vie. Warzajeff serait en vie aussi. Ouais, bah écoutez, bah il nous reste plus que deux Pokémon. Si je tombe sur un Pokémon électrique, je suis dans le caca. Bon, bah, tant pis. Bon bah ce sont les survivors. Bon bah au revoir Taker, au revoir mon starter encore une fois. Pour la quatrième fois. Hop là. Et au revoir Warzajeff aussi, t'auras ta notion un petit bien sympathique. Voilà, donc du coup. Alors j'espère qu'il y aura un bon Pokémon sur la route qui va venir. Ce serait. Ça rattrapera les coups quoi. Putain là par contre c'est chaud. Hop là. Non mais putain mais je suis deg. Non mais le coup du Dracorage, je voyais pas venir mais j'aurais dû m'en douter quoi. J'aurais dû envoyer un autre Pokémon pour encaisser les coups parce que. Et pour tenter de le taper quoi, parce que là. Ok donc Papyrus et Yon, bon bah c'est parti. Désolé Taker, hein, j'essaie de te faire une dédicace quand je pourrai. Ok Lumineon, d'accord. Ah merde, j'ai envie d'acheter des beaux. D'accord. Bah, vu, vous aurez une vidéo d'à peu près 30 heures, hein, c'est bon, ça. Vous allez pas vous plaindre. Ah oui, on va acheter. Je vais prendre un maximum que je peux. Hop, 3 Pokéballs. Comme ça, je vais tenter sur une capture à fond. Alors là, franchement, j'avais un putain d'Hippity. Elle était pas très puissante. Ta carte n'était pas très puissante, mais au moins, elle avait mérité de bien tenter. Et puis, bah, tristesse éternelle. Hein. Bon maintenant je me dis si Papu gagne un niveau au moins il va lui se faire au par des Dracorages. Peut-être qu'il va me donner 4 rocs je crois. C'est ça. Bon du coup bon, on reprendra ici si. Nouvelle zone. On reprendra ici. Voilà, donc bah c'est parti pour un Pokémon. Ouais.
Ah, pas mal. Pas mal du tout, capoeira. Pas mal du tout. Ça, c'est pas mal. Oh putain, faut que je gaffe. C'est pas mal du tout. Maintenant, faut que je réussisse à attraper. C'est autre chose. Ah bah, capture soudaine, ok. Alors, capoeira, je sais comment je vais t'appeler. Je vais t'appeler Corambu. Donc, dédicace à Corambu, parce que je sais qu'il y a une belle capoeira. En plus, il y a des K, XDMDR, ça rime. Ça rime à la première lettre. Enfin, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Vous connaissez. Corambu... J'aurais appelé Corambu, mais Corambu, c'est suffisant. On va voir de quoi t'es capable. Je sais que t'as surpuissance. Sérieux. Oh putain, attaque est à chier, attaque. Il y a une bonne défense. Bah, il me semble qu'Apora, à la base, a une très bonne défense. Juste dommage que... Ah, non, mais... Ah non, non, il y a une bonne défense spéciale. Pas de bonne défense. Enfin, je sais plus. Enfin, quoi qu'il en soit, il est bon. Il est bon. Franchement, il est très bon, même. Donc, je vais utiliser. Je vais retourner au centre Pokémon. Ah oui, merde, je peux récupérer... J'ai récupéré la roche royale aussi. Je vais la donner à... Je sais pas. Je sais pas vraiment à qui je vais la donner. Ah non, mais il me semble, roche royale, c'est que si je touche au contact, je crois. Faut que je vois. Alors, déplacer l'objet. Je te récupère. Je récupère la roche. Hop, je vais équiper à... Bon, je équipe à Papillu parce qu'elle était à 8. Elle était à 8. Je vais voir quand même, mais... Bon, laissez tomber, c'est pas grave. C'était à toi, donc Papillu, tu as ta roche royale. Là, je suis assez content de l'acquisition qu'on a faite. Mais je crois que j'ai fait une capture, méga capture. Enfin, ça, c'est bien. Je suis vraiment content de l'acquisition qu'on a faite. Parce que là... Enfin, c'est pas mal, franchement. Il y a plus dégueulasse. En plus, il tend bien les coups. Donc, c'est pas mal. Attends, j'ai pas vu sa capacité, par contre. J'ai pas vu sa capacité. Alors, t'es calme, mais tu as... Fermeté. Ah, bah, ça, c'est cool, parce qu'elle est adaptée à la 5G. Parce que j'ai mis move adapté à 5G, c'est-à-dire qu'en gros, bah, si je me prends une attaque méga, si je mets un psycho boost dans la gueule, il va pas être KO. On va presser là, mais tu pues à côté de moi. Oh fuck. Faut pas me barrer, ouais, merci. Ok, donc les Cresselia sont très rapides, faut faire gaffe. Suivante. Enfin, suivant, pardon. Ok. Ok, sécheresse. Je me barre. Ah ouais, mais putain, mais là c'est chiant. Putain, c'est chiant. Vibre à quoi, on va tenter de l'affaiblir. Bien. Ah bah ouais, bah, elle marche à roche royale. Ouais, super. Putain, mais il est cheaté ce truc. Ce truc est cheaté. Baïgnon. Putain, faut que je règle ce truc défini. Bah, je vais envoyer Aiglon, écoutez. Ah, fait magique. J'aurais pu envoyer Corambu aussi, mais Lyon sera plus rapide, je pense, avec Mega Corn. Mega Bullshit. Ouais, attendez, là, du coup, option, alors, 3, défini. Hop, là. Merde, j'ai pas enregistré les fichiers. Là, c'est bien, ouais, là, franchement, oui. Par contre, ouais, je vais être au niveau d'arène, je pense, si je fais gaffe. Ah, très bien, quand même, qu'on ait des Pokémon qui ont envie puissent se faire. Bon, ok, pas des bras nets de préférence, ce serait bien, parce que bras nets, je peux pas faire grand-chose. Aéropiqué, oh, sympa, pourquoi une note. Ah oui, il tombe bien, lui. Ok, toi, je te dégage tout de suite. Courant du niveau 8, pas plus niveau 12. Et voilà. Yippie. Ok, donc Charbourg, nouvelle ville. C'est bien parce qu'on avance. Là, je suis content parce qu'on avance dans notre aventure. Parce que j'en avais marre un peu de recommencer à chaque fois. Non, franchement, si je perds là, j'ai le quoi. Putain, mais ça, la main... Putain, je regardais Taquière, ça aurait été énorme. Non, ta gueule. Alors, il me semble ici, il y a rien de spécial. Il y a SCT coupe. Ouais, merde, SCT coupe, je crois. Ou coupe. Non, coupe, je suis con, c'est Cynthia qui a une autre coupe. Bah, du moins, il n'y a rien à récupérer. Juste des items, genre des sombres bouts, des trucs comme ça. Mais franchement, je m'en branle. Je m'en pas les cacahuètes, t'as vu. Merde, le chef. Je vais peut-être m'acheter des potions aussi. C'est bien. Ah bah d'accord, je vais prendre potion. Voilà. On se fait d'argent petit à petit. Ça fait toujours plaisir. Et ça prend du soin. Alors, bon, je pourrais vendre cet gaz toxique, mais bon, voilà quoi. Alors là, il y a un nouveau Pokémon. Donc là, c'est la zone de fuck ma vie. Vous connaissez tous fuck ma vie, je pense. Voilà.
Ok, doublon, on va te faire foutre. Non, mais je vous jure, il y a des moments où les Pokémon ne changent pas. Ils sont pas randomisés, j'ai l'impression. Oh, Kekulon. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, en fait. Enfin, on va essayer de le choper quand même. Parce qu'on va pas cracher dessus. Ok, il y a un stab, visiblement. C'est déjà bon signe. Par contre, là, je peux plus affaiblir, je pense. Ouais. Je vais choper le Kekulon. Presque. Faut que je fasse gaffe à la vie de deux. Pas plus. Ok, donc on a attrapé un Kekulon. Kekulon, comment je vais taper? Je vais taper Kekulon. C'est pas forcément un bon Pokémon, mais il est pas mauvais non plus. Je vais taper David Dark, donc dédicace. Tu es un Kekulon, tu es pas un Pokémon trop pourri pour une fois. Voilà, Devil. Bien la place à que tu aies. Ouais, j'ai envie de taper comme ça, donc voilà. Tu es un Kekulon, David Dark. Alors, il peut être pas mal, franchement, il y a une bonne stat en attaque, il me semble, ou en PV, je sais plus. Je connais pas ce Pokémon par cœur, pour tout vous dire. Il peut être Dark avec un K, pardon. Désolé, DD. Alors, viens voir. Qu'est-ce que tu donnes? Mauvais, d'accord. Armure baston. Ah, ça, c'est pas mal, dans nos autres. Oh, vous voyez, il y a des stats pas dégueu, il y a une très bonne vitesse. Oh putain, j'ai gribouille. Ah, ça va être marrant, ça. Va falloir sélectionner une bonne attaque. Hein. On a mégaphone et charme. Alors, on a une meilleure attaque qu'attaque spéciale, donc du coup, à l'occasion, je verrai mégaphone. C'est quoi? Le lanceur pousse à un cri dont écho terrifiant. Un écho terrifiant, d'accord. Ils sont bien eux. On va voir. Ok, bon, non, ouais, je lag un peu sans turbo, donc je vais essayer de turbo. Ok, bon, vas-y, autant que je te chasse. J'ai un petit bug. Voilà, hop, voilà, il n'y a pas d'autre. Petit plouf, oh! C'est mignon! Ah, petit plouf, t'es pas gentil! T'es pas gentil, Tipouf. Pas méchant, Tipouf. Voilà. Corrompu niveau 9. Je suis étonné qu'elle surpuissance n'ait battu. Enfin bon. Non, en même temps, on va pas se plaindre parce qu'il y a des putains de défense. On va pas se plaindre. C'est quoi, c'est nature? Sérieux? Ouais, c'est neutre. Ok. Donc, du coup, c'est bien. On a chopé un Kekulon. Par contre, je pense que je vais être en manque de beau pour après. C'est bien. On avance. Sachant que pour la première reine, ça devrait aller. Ça devrait aller sur niveau 14, enfin 14 niveau maximum. Ouais, je vais faire exprimer David Dark parce qu'il est bon quand même. Faut reconnaître, il est pas mauvais. Il sera pas mauvais, je pense. Donc voilà. Ah, bon, attendez, là j'ai un objet, donc je vais récupérer. Et c'est un. Non, il y en a deux. Je crois qu'il y a des. C'est des tessons, je crois. Ouais, il y en a un tesson. Et un muscle plus, d'accord. Donc là, il y aura une nouvelle zone. Ouais. Il y aura une nouvelle zone, c'est la mine. Mine Charbourg. Ok, donc là, je passe tout de suite récupérer ça. Une Pokéball, donc ça, j'ai bien fait de récupérer. Alors. Ah merde, bon tant pis. Avant tout. Ah, why not. Au moins, il y aura des stats potables, j'ai envie de dire. Il y aura des stats potables, franchement. On va pas se plaindre. Je ne vais pas me plaindre. Réveil Corrompu. Éclat de griffe, ouais, il y a un. Ok, j'ai cœur. Ah, ça, j'aime bien. Ouais, je t'aime bien. Ah, merde, là, faut choisir, par contre. Faut faire gaffe. Ouais, j'ai eu casse-brick. Il y a bluff, il y a des bonnes... Ah, il y a paresse. Ah, toi, je t'aime bien. Toi, je t'aime beaucoup. Oh, putain, ça va être chiant. Oh, là, là. Combat de chasse. Ok, d'accord. Lui, c'est pas mes paresses, hein. Il y a un autre à foutre. Paresse. Combat passionnant, écoutez. Ouais, ouais. Gribouillé, ça peut. Faut voir que j'utilise bien. Hein. Parce que ça, c'est pas une attaque donnée à tout le monde. Je vais me barrer par contre. Je vais envoyer. Bah, j'ai envoyé des vitards. Je devrais pouvoir tenter un coup. Je vais faire un coup de boule. Ouais, parfait. Là, je vais. J'ai peur de. J'ai pas en tenter un autre, j'ai peur du critique.
Donc quoi que je pour... Non, j'ai peur de tuer avec Elion aussi, donc du coup j'en ai pas pu pourtant. Tiens. Je vais tenter une Pokéball tout de suite. C'est quand jamais. Putain, il est chiant, baisser la défense ce con. Oh, il est chiant avec ses cages éclairs, putain. Ok, super. On tente une Pokéball là, c'est le moment. Ah, super. Ah oui, il est bon parce qu'il y a cage éclair et une attaque de soin surtout. Alors, ouais, mais je vais donner un bon nom quand même. Je vais t'appeler Schlaghetto, parce que voilà. Voilà. Même si t'es un bon Pokémon, enfin, je t'appelle Schlaghetto. Voilà, j'ai dit que je dédicacerais Schlaghetto, Morsail et tout, donc voilà. Dédicace à toi, Schlaghetto. Pourtant, ça, c'est une personne qui est très intelligente quand on y réfléchit. Non, mais je déconne pas, hein, j'ai ça. Alors, Schlaghetto, qu'est-ce que t'as? Isogresse. Ah, ça c'est pas mal, on aura. Timide, ouais. C'est juste le problème, c'est que ça va pas trop avec ses attaques qu'il y a, ça va pas trop, mais. On va pas se plaindre. On a un truc avec un GKR, une attaque de soin, on va pas se plaindre, franchement. On s'en est très bien sorti sur. Ok, alors du coup, je vais me soigner. Oui, je soigne. Par contre, je pourrais pas faire exprès pour la reine. Ce que je vais faire. J'ai choix. Non, je suis quand même niveau 12, je crois. Ouais, j'ai quand même un bon niveau, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer devant quand même. En espérant pas tomber sur des Pokémon de mode. Puis s'il faut que je fasse un sacrifice, je ferai un sacrifice, mais. Ah, du coup, j'aurais pu tenter de gribouiller de paresse si j'avais cramé le truc. Enfin, bon, tant pis. Tout doudou. Ouais, bon, autant que je le fasse, écoute. Trou, ça tombe bien. Moi aussi, je t'aime bien. Ok, t'as rencontré tes matchups. Voilà, c'est l'histoire d'amour, tout ça. Oh putain, une fermeille. Voilà. Oh putain, il rigole pas lui. Bah j'ai envie Schlaghetto, tiens. On va envoyer Schlaghetto, cache et cœur. Petit à petit, on va se le faire. Oh putain, il y a un synchro, ce fumis. Il y a un synchro. Bon, on va envoyer courant bout. Allez. Mac Punch. On va faire des casse-briques. Visiblement, il y aura d'avoir que Mac Punch, donc c'est cool. Hop là, critique. David Dark niveau 7. Route feu. Ah, je prends, ça fait toujours une attaque feu. Je vais envoyer. Route feu, c'est quoi? C'est physique? Ouais, c'est physique, hein. Envoyer mégaphone. Ouais, envoyer mégaphone. Parce que. Charme, ça peut être utile. Ça peut être utile, donc on va pas se plaindre. David Dark niveau 8. Schlaghetto niveau 9. Ah, détritus, c'est spécial, je prends. Ça, je prends. Ça fait un bon stade, surtout. Alors, buff, ça peut servir en priorité. Cage éclair, ouais, bien sûr, ça sert. Mais après, 4 griffes, ça peut servir comme second stab. Ouais, buff, il peut vraiment servir. Là, j'hésite parce que buff, ça peut énormément servir, buff, en fait. J'en vais buff. Schlaghetto a pris détritus. Aïe aïe aïe, chuchu. Mais là, on a une bonne équipe, je suis content. Ok, toi, faut que je te parle. Oh y'a, 4 ans encore. C'est à moi. Tu dois d'abord me vaincre. Youpi, travers. Bon, ça ira. Et là, on a une bonne équipe, je suis content. Enfin, on a juste Médu. Enfin, Yvon qui fait un peu tâche, désolé, mais bon, c'est la vérité. C'est la vérité. Oh putain, danseur, d'accord. En plus, c'est ce qui a été updaté à S5G, donc. Ah, je pourrais utiliser Cribouille, là. Je pourrais. Non, Dossur, c'est pas intéressant, bien sûr. C'est vraiment pas intéressant. Voilà. Bizarre à voir. Putain, il explique vite ce coup. Cochignon, bah, roue de feu. Ok, là, je vais me barrer, par contre, parce que je sens pas. Récorandu. Masse d'os. D'accord. Casse brique, au revoir. BV Dark niveau 10. Jugement! Ce con va prendre jugement. Est-ce que ça en vaut à peine jugement? Parce que j'aurais pas de plaques. Si, je pourrais avoir des plaques, mais après. Putain, mais jugement quoi. Putain, mais il est pique ce con. Après, ça fait un bon stab quand même. Faut. Ça pourra. Ouais, franchement, gribouille, voilà quoi. Enfin, franchement, ce sera. Il faudrait qu'il y ait Kekrion au bon moment, au bon endroit. Et jugement, ça peut prendre un peu tous les types que je veux.
Ouais, on va mettre jugement. On va enlever. On offre pour enlever charme aussi. Ouais, j'ai enlevé charme. Allez, on va enlever charme. Allez, jugement. Évidemment qu'après jugement. Corps perdu. Ouais, bon. C'est pas une attaque géniale, mais enfin bon. Putain, mais jugement quoi. Oh putain, c'est hippie parce que je crois que j'ai jamais vu attaque sur cartouche. Je me demande ce que ça fait. Oh ma femme et ma raison. Bon, par contre, vu qu'il n'y a pas une bonne attaque spéciale, c'est pas gênant, mais putain, mais c'est épique. Kekulon jugement, quoi. Putain, épique, David Arc. Je t'admire. Je respecte, tout simplement. Je respecte. Ouais, par contre, je vais mettre Shaghetto devant parce qu'il est un peu à la traîne. Ouais, je pense que niveau 10 sons, ça devrait faire pour Arène si on a un peu de chance. Ça devrait... J'ai pas envie de faire 10 sons. Oh putain, faut que je fasse gaffe. Ok, peut-être pas. Ah merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça! Ok, c'est con, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que si on m'aurait fait un autre coup d'essorage, ça aurait pas fait quoi. Demi-tour! Oh putain, Tentacool est demi-tour! Ah, je veux ce Tentacool. Enfin, j'aurais bien voulu ce Tentacool. Putain, mais rien pour dire de demi-tour quoi. Ok, là, je me barre parce que Shaghetto est paralysé. Oh putain, coup de langue. Oui, pas de but parce que j'ai envie de faire gaffe quand même. J'ai envie d'assurer. Non naturel, d'accord, fort. Ok, du coup, bah, on va sur l'arène, écoutez, il y a que ça à faire maintenant. Après, on pourra utiliser 4 rocs et on pourra aller ailleurs. Alors, voyons voir. Je suis curieux quand même de voir qu'est-ce qu'il y aura comme capacité. Comme c'est fait aussi, si on gagne. Mais je pense qu'on gagnera. Je sens bien, je la sens. Ouais, mais on a une bonne équipe, à part peut-être Lyon, je répète, mais ouais. Franchement, moi j'aime bien. Alors, on va sur l'arène. Juste des subtakers soient morts, mais enfin, bon, voilà. Alors, qu'est-ce que t'as comme... Ok, obéi, donc ils sont certainement team Ouglas. Donc ça, est-ce que c'est une bonne nouvelle? S'ils sont glace, c'est une bonne nouvelle. S'ils sont haut, au moins, mais bon, ça fera l'affaire quand même, des tripes. Putain, il y a piste au poids, ce con. Putain, il y a double prio, ce con. Double priority, putain, fumiste. Putain, par contre, il gagne 20 PV, hein, ce Shaghetto. Toi, je t'aime bien, Shaghetto. Toi, je t'aime bien. Ouais, bah écoutez, j'ai fait une petite dépotion, du coup, je retourne au centre. Donc là, c'est spécialité, c'est type eau, glace. Donc, ouais, voilà. Franchement, là, à partir de maintenant, si je dois en laisser un de retrait, c'est Médu, quoi. Donc, voilà. Je le dis clairement. Si je dois en sacrifier un, je dois en buter un, c'est Médu. Hop là. On va voir. Kekulon, faut que je me méfie parce qu'à route feu, il y a des attaques à la con, mais on aura avec un coup de dégâts éclair, voilà. Bah, donc, t'as ton Grilou, il a servi à que dalle. Il est foutu. Oui, il tape bien Shaghetto, hein. Il tape bien quand même, du chaos. Ok, Shaghetto niveau 11. Là, je me barre par contre. Putain, j'ai rien pour tanker. Bah, j'en vais, je vais tenter donc. Quoi? Pourquoi je peux pas t'échanger? Mais genre, il y a un piège, ce con. Genre, ce connard a un piège. Oh putain, genre, il y a Marcombre. Oh putain, vas-y. Picanon. Oh, ouais, bon, ça passe, ça passe. On s'en sort bien. Alors, je vais refaire un coup de soin, c'est quand jamais. Oh, Picanon. Putain, j'ai eu une petite frayeur pour tout vous dire. Non, mais là, ils sont pas spécialisés, là. Oh, ils sont pas spécialisés. C'est bizarre, mais enfin bon. Là, c'est étrange parce que j'ai gagné beaucoup moins d'expérience avec le mur. Enfin, de passion. Alors, on va se retourner se soigner parce que j'ai peur, tu vois. Bah, du coup, les Pokémon, ils sont randomisés aussi, donc tout est randomisé, donc il n'y a pas de thème pour la reine. Bon, c'est dommage. Ça donnait un peu de intérêt au jeu, mais enfin bon. Alors, attendez, qui niveau quoi? Je vais mettre. Je vais mettre David Arc devant. Ouais, je vais mettre David Arc. Voilà, c'est parti. Et on est parti pour le champion. Alors, il y aura 3 Pokémon. Il y en a 2 niveau 12 et 1 niveau 14, si je me sens bien. Alors, même si ça lag, bon, c'est pour ça, d'accord. Musique que j'apprécie tout particulièrement. Ok, donc match-up à la con, ça commence bien. Bon, bah écoutez, route feu. On va voir ce que ça peut. On va voir ce que ça va donner. Donc, Baudrive, ça devrait faire. Oh putain, il prend que dalle. Ok, s'il fait que des dépits, ça devrait aller. Faut quand même champion, même si c'est lent.
Ok, donc il me baisse mes PP, mais j'en branle. Franchement, il peut quand même acheter une bonne attaque, hein. Donc là, je maintiens Gribouille. Ça peut servir. Alors, viens voir. Ok, truc va bon s'impliquer. Et j'en appelle, donc je reviens tout de suite. Excusez-moi un instant.